C'est parti, direction l'Italie. L'Italie, ce n'est pas juste la tour de Pise, les gondoles de Venise ou le Panthéon. C'est aussi ces fontaines surnommées Nasoni, du fait de leur bec courbé qui fait penser à un gros nez. Elles apparaissent en 1874 sous l'initiative du premier maire de Rome, Luigi Pianciani. Son idée, mettre à disposition des fontaines publiques et gratuites. Aujourd'hui, on peut trouver environ 2500 Nasoni dans la commune de Rome. Si comme moi, tu voyages avec ta gourde et si tu te trouves en Italie, tu apprécieras l'application Nasoni d'Italia. Elle répertorie plus de 34 000 fontaines en Italie. Toi aussi, prends ta gourde et pars à la découverte des fontaines en Europe avec la campagne Reset Your Habits de Surfrider Foundation Europe.